Bonjour, bonjour tout le monde, je vous présente donc ce petit chausson pour une naissance 3 mois qui se tricote en un seul morceau. Donc il n'y aura pas de couture, il y aura juste la petite broderie à faire. Donc voilà, donc il sera blanc et gris. Donc du point jersey, la semelle en jersey, les côtés en jersey, le dessus en jersey et ici du point de riz. Tout simplement. Donc pour cela, j'ai utilisé de la laine blanche et grise. Donc hop, qui se tricote en 3/5. Et j'ai utilisé des aiguilles numéro 3. Donc, vous voyez, c'est pas. La laine, elle est pas épaisse. Donc, pour la tricoter en 3, je trouve qu'elle est très bien. Ça fait pas trop épais, ça reste souple. Ça fait. Voilà. Quand j'ai pas mis de petite mousse dedans. Pour montrer le pied que ça donne, ça fait ça, une fois aplati. Il n'est pas raide, hein. Il est très souple. Voilà. Pour le tricoter, donc des aiguilles circulaires numéro 3. Et on va commencer par la semelle. Donc la semelle qui est ici. Pour cela, on va monter 12 mailles et on va faire 23 rangs. Une fois qu'on a fait la semelle, on va attaquer donc tout ce qu'il y a ici autour, le côté du chausson, tout autour, puis le dessus du chausson et on va finir par le haut du chausson. Et il n'y a vraiment aucune couture. La chose que vous voyez ici et là, c'est parce qu'on remonte des mailles. Et ici en gris, c'est la broderie qu'on a faite. Il n'y a absolument aucune couture. Seule couture qu'il y aura, ça sera ici pour broder. Simplement. Pour cela, alors je vais vous mettre le petit schéma qui est ici. Alors je vais essayer de le zoomer pour que vous puissiez. Hop. Pardon. Alors je ne sais pas si je zoome assez. Voilà. Pour la semelle, donc ça sera 12 mailles et le petit graphique qui est là, ça sera pour la broderie. Donc voilà, voilà. Donc pour ceci, je vous dis à tout de suite pour commencer à tricoter. Donc pour le chausson, on monte comme on l'a dit. On commence par la semelle, donc on monte 12 mailles, donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 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 on reste à 12. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà, j'ai mes 12 mailles. Une fois que j'ai monté mes 12 mailles, on tricote 12. Qu'est-ce que j'ai marqué? 23 rangs. Donc, on tricote les 12 mailles en point jersey. Donc, un rang
tout à l'endroit. Donc un rang tout à l'endroit. On tourne notre ouvrage et un rang tout à l'envers. Moi, je suis toujours une maille lisière. Donc, la première, je ne la tricote pas. Et je fais toutes les mailles à l'envers. Et on va tricoter, donc ça sera le deuxième rang là. Et il faut en faire 23. Tout à l'endroit. Qui en fera 3. Tout à l'envers qui fera 5, 4 si je commence mal compter, ça nous fera 4 rangs. Tout à l'endroit, le cinquième rang. Tout à l'envers, le sixième rang. Tout à l'endroit, le septième. Et on continue comme ça pour obtenir 23 rangs total. Une fois qu'on a fait nos 23 rangs, donc voilà, mon fil est de ce côté-ci, d'accord. Donc voilà ce qu'on obtient. Maintenant, donc, on va monter tout autour, 12 mailles ici, 12 mailles là et 12 ici. On va faire le tour, on va remonter des mailles. Donc, hop, je fais glisser sur mon fil et je viens passer ici. Ça fait comme un V. C'est pour ça que la finition
des mailles lisières sont plus faciles. Donc une maille. Je reviens. J'ai mon béquet là, je récupère une deuxième maille. J'ai le béquet là, je récupère une troisième maille. Une quatrième. Une cinquième. Une sixième. Une sept. 8, 9, hop, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah oui, c'est mon petit nœud. 10, 11 et 12. Quand j'ai fait mon rajout de laine, ce que je t'ai arrivé un petit bout de laine. Donc j'ai mes 12. Donc là, je tire. Je laisse. Vous voyez, je remets pas tout au même endroit. Ce qui m'évite d'avoir plusieurs aiguilles, en fait. Une fois que j'ai ça, donc ici, hop, pareil. Je récupère le premier V. Et je fais une maille. Alors, si vous avez fait comme moi, serrer les mailles au démarrage, ça va être un peu plus compliqué pour les retrouver. Hop. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. 7, 8, 9, 9, 10, 11 et la dernière, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'en ai 12. Bon, pareil. Voilà. Et je monte les 12 dernières sur le côté. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. 7, 8, 9, 10, 11. Or, j'ai raté une quelque part. Donc, la toute première.
Ah ouais, elle est là, c'est pour ça. Hop. Ah. J'étais un chouï trop bas. Et du coup, j'en ai raté une. Donc, une. Deux. Trois. 4, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Ça le veut bien. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc voilà, j'ai mes 12. Mes 12 de chaque côté. 12, 12, 12 et 12. Ok ? Une fois qu'on a fait monter les 12. Donc, on va tricoter en jersey, donc tout à l'endroit, pendant 7 rangs. Pour vous repérer, de savoir où on commence le rang, où on finit le rang, en fait, je prends un marqueur, donc je le glisse ici, c'est celle-là, les dernières que j'ai montées, et on va commencer à tricoter. Donc le premier rang, une petite gymnastique hein, avec le fil. Je commence tout à l'endroit. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Une fois que j'ai tricoté là, donc c'est pareil, hop, je le passe sur le fil en attente. Hop. Je passe. Hop. C'est un petit peu la gymnastique à passer. Mais c'est beaucoup plus facile que toutes les aiguilles. Enfin, pour moi. Je ferai un tuto avec les aiguilles normales. Voilà. Pour éviter qu'il y ait un espace ici, à cet endroit-là, on se colle le fil là. Donc nos mailles qu'on vient de tricoter, on colle bien contre l'aiguille ici, sans tirer non plus, mais ce qui permet de pas avoir d'espace à ce niveau-là, ça se verra pas. Et on continue tout à l'endroit. Donc toujours 12 mailles. Voilà.
et je continue. Donc je refais pareil. Je colle mon fil ici, mon aiguille. Pour éviter qu'il y ait un trou. Et je continue à tricoter. Bon, pour faire comme ça, il faut avoir un fil pour la circulaire assez grande pour pouvoir bien séparer les quatre séries de 12 mailles. Voilà. Donc, le dernier rang. Enfin, le dernier côté plutôt, hop, et on aura fait un rang. Donc pareil, la première maille, hop, je la colle au fil, vous voyez, et ça m'évite d'avoir des espaces quand je change de côté. Hop. Et on arrive au marqueur. Hop. Que je viens glisser ici. Et nous voilà, on a fait un rang. Donc, en tout, il en faut 7. Donc, il y en a encore 6 à tricoter. Et on continue. Et on se retrouve une fois tricoté les 7 rangs. Donc, une fois qu'on a fait les 7, vous voyez ce que ça donne. Hop. Hop. Voilà où on en est. Donc là, j'ai enlevé mon petit marqueur qui était sur l'aiguille. Je l'ai inséré ici pour la suite de mon travail. Voilà. J'ai juste mis un bout de fil. Hein. Après. Chacun met son marqueur comme ce qu'il a. Donc maintenant, donc là, on est sur le devant du petit chausson. Et on va diminuer sur ce côté-ci, puis sur l'autre côté. Et sur chaque aiguille des deux côtés ici, on va diminuer la moitié. Donc, on a 12, il nous restera 6 mailles de ce côté-ci et il restera 6 mailles de ce côté-ci. Derrière, on ne touche pas, vous allez comprendre. On va travailler ici devant, puis sur les côtés pour faire les diminutions. Donc, hop, je remets mon aiguille. On va commencer par la première diminution. Donc, je prends sur celle de devant la maille et je récupère celle-ci pour passer par-dessus. Et j'ai fait une diminution. Je remets ma maille sur l'aiguille. Parce qu'il faut absolument que j'ai tout le temps 12 mailles ici. Tout le temps. Chaque diminution que je fais, je remets ma maille dessus. Et j'ai tout le temps 12 mailles. Ok ? Une fois que j'ai fait ma diminution, donc je continue toujours au jersey, donc tout à l'endroit. Trois, quatre,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Ok ? Je prends sur le côté. Hop. J'enfile toutes mes mailles. Hop. Et là, je prends la dernière maille que je viens de tricoter ici. Je la passe sur l'aiguille ici. Et je prends... Hop. Oups. Je ne vais pas réussir. Et je prends donc la maille à côté. Si elle veut bien. Je ne dois pas piquer au bon endroit. J'arrive pas à la prendre. Pourquoi j'arrive pas à la prendre? Ah si. Et je tricote les deux mailles ensemble. Ce qui me fait une diminution. Pourquoi elle veut pas? Est-ce qu'il y a des fils? Qu'est-ce que c'est que ce pinceau? Hop. Voilà. J'ai tricoté les deux mailles ensemble. Donc, je laisse ma maille ici. J'ai toujours 12 mailles sur mon aiguille. Je tourne mon travail. Comme là, on travaille qu'avec l'aiguille ici, on ne tourne plus. Donc, on va faire tout à l'envers pour continuer notre jersey. Hop. Donc, ça fait... Une, donc tout à l'envers, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, et 12. Donc là, j'ai mon marqueur qui est là. Ok. Une fois que j'ai fait mes 12, donc pareil, je reprends une maille, je la glisse sur l'aiguille d'à côté, je récupère la maille d'à côté et je les tricote. Non. Je fais glisser. Pas je les tricote ensemble, c'est je fais glisser la maille par-dessus. Voilà. Je récupère ma maille sur l'aiguille et je tricote tout à l'endroit. Une, deux, trois, quatre. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Je récupère les mailles ici. Hop, 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 hop. Je passe ma maille dernière tricotée à côté et je tricote les deux mailles ensemble. Voilà. Une fois fait ça, on retourne le travail et on va tricoter tout à l'envers. Ah.
11 et 12. Ok. On tourne notre travail. On fait glisser la maille ici. Et je vais passer l'autre par-dessus. Je remets ma maille. Et on tricote tout à l'endroit. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze et douze. Hop. Je récupère mes mailles à côté. Je bascule ma maille sur mon autre aiguille, si elle veut bien. À l'aise derrière mon écran téléphone, c'est pas facile. Donc là je prends les deux mailles et je les tricote ensemble. Bon, enfin je trouve une méthode pour être à l'aise derrière l'écran, c'est avec le téléphone entre ma tête et mes aiguilles, c'est pas évident. Je vois pas ce que je fais. Bon, pourquoi il veut pas? C'est quoi ce bordel? Bon, plus tard. Hop. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, donc j'ai mis 12 mailles, je retourne et je continue tout à l'envers. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Ok. Ici, je prends ma maille, je prends l'autre maille et je la fais glisser par-dessus. Une fois que j'ai fait ça, donc je remets ma maille sur mon aiguille et je tricote tout à l'endroit. Une, deux, trois. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Hop, je récupère toutes les mailles. Je récupère la maille ici, je la passe à côté. Et je tricote les deux mailles ensemble. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je tourne mon travail. Et je tricote tout à l'envers. Une, deux, trois, quatre, cinq,
8, 9, 10, 11 et 12. Une fois que j'ai fait ça, je tourne mon travail. 2, 3, 4, 5, 6. Il en reste encore deux diminutions à faire. Donc, hop, récupère ma maille, je prends celle d'à côté et je la passe par-dessus. Je récupère ma maille et je continue tout à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc là, hop, il nous reste 2, 3, 4, 5, 6, encore deux diminutions à faire. Hop, je récupère la maille. Et je tricote les deux ensemble. Je tourne mon travail. Et là, je tricote tout à l'envers. Une, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc, normalement, c'est la dernière. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est ça. La dernière diminution de ce côté-ci. Hop. Je prends. Je passe par-dessus. Je remets mon aiguille. Et on est parti pour un rang tout à l'endroit. 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Je passe mon aiguille par-dessus, je récupère la deuxième, je les tricote les deux ensemble. Et il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Je tourne mon travail et on va tricoter tout à l'envers. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Ok. Une fois qu'on a fait ça, soit on garde la même couleur, soit on change la couleur. Donc moi, je vais changer la couleur. Donc, hop, les ciseaux sont là. Je passe au fil gris. Et là, on va tricoter. Hop, il est où mon fil ? Et là, on est parti pour faire toutes les mailles à l'endroit.
C'est celui-ci. Non, c'est pas celui-ci non plus. Ben, il est où ? C'était bien celui-ci. Je fais un petit nœud. Je vais maintenir à cet endroit-là pour le moment. Zoup. Et je continue tout à l'endroit. Donc là, on va faire tout le tour, donc tout ce qu'on n'a pas tricoté jusqu'à présent, on va le tricoter, faire un tour complet. Hop. Et hop. Je récupère les 6 là. Alors ici, hein, pour éviter d'avoir un big trou, je monte une maille intermédiaire. Hop. Et je vais tricoter. Je sais pas si vous avez vu, hop, je recommence. Donc là, je vais tricoter mon rang ici devant. Je viens ici chercher, monter une maille intermédiaire, ce qu'elle comptera pas. Et je vais tricoter les deux mailles ensemble. Parce qu'on ne rajoute pas de mailles. C'est juste pour, au cas où, si vous avez un petit trou, juste rectifier. Donc, on est parti sur tout à l'endroit. Voilà. Je tire mon aiguille. Et on continue les 12, les 6 à côté et on revient devant. Une fois qu'on a fait le tour, donc on arrive ici au démarrage, donc je fais comme tout à l'heure, une maille intermédiaire, hop, et je passe ici, je fais ma diminution, d'accord, voilà, on a réuni les deux, ok. Là, je vais passer au... ici. Donc on a 12 mailles devant, 12 mailles derrière. Donc ça fait bien 12 et 12, 24. On est d'accord? Plus 6 ici et 6 ici. Donc ça fait 12. Donc 24 et 12, ça fait bien 36. Et pour faire le point de riz, il nous faut 35. Donc on va faire une diminution pour obtenir tout simplement 35 mailles pour pouvoir faire notre point de riz. Donc là, c'est une maille à l'endroit. Donc une maille à l'envers, une maille à l'endroit, 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 une maille à l'envers. Ah, j'ai oublié de tirer. Hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop. Je sépare bien mes côtés. Donc j'ai fait ça, hop. Elle est où, Mylène? Hop. Je défais un peu de laine. Je ne vais pas pouvoir faire le tour pour vous montrer.
Donc ici, j'étais à une maille à l'envers. Donc une maille à l'endroit. Et quand je passe comme ça d'un côté à l'autre, je resserre bien mon aiguille avec le fil pour éviter d'un trou. Donc à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'envers. Ok. Là, je récupère l'arrière du chausson, les 12 mailles. Soup. Et je retire mes fils. Hop. Et hop. Pareil, on va serrer le fil. Hop. Et tout tourner mon aiguille. Mon fil à l'aiguille. Donc, on était à l'envers, à l'endroit. Donc, on serre bien contre le fil. Ça évite de faire des trous. Je ne sais même plus si je suis dans le cadran. À l'envers. À l'endroit. À l'envers. À l'endroit. À l'envers. À l'endroit. À l'envers. À l'endroit. À l'envers, à l'endroit, puis à l'envers. Voilà, on fait glisser encore nos aiguilles. Donc là, on a un côté avec 6 et l'autre côté avec 5, vu qu'on en a diminué un pour faire le point de riz. Hop. Donc j'étais à l'envers, donc ici à l'endroit. À l'envers, à l'endroit, à l'envers, hop, à l'endroit. Donc on revient à notre point de départ, d'accord? Donc maintenant, hop, donc j'ai fini mon rang par une maille à l'endroit. Je vais la commencer par une maille à l'envers. On contredit les mailles. Une maille à l'envers. Une maille à l'endroit. Une maille à l'envers. Une maille à l'endroit. Si je suis dans le cadran, à l'envers, à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'envers, puis à l'endroit. Et vous voyez, ça forme le point de riz. Ok? Donc, on continue comme ça et on va faire je sais plus ce que j'ai marqué. Je reviens. Donc, je disais, là, on a fait un rang. On attaque le deuxième rang. On fait 9 rangs total. J'ai eu un petit bug, désolé. Donc, 9 rangs total et on se retrouve pour faire le 10e rang. À tout à l'heure. Voilà ce qu'il en est une fois qu'on a fait nos 9 rangs.
52. À partir de là, je vais rabattre toutes les mailles. On va tout rabattre les unes après les autres, tout simplement. Donc, je tricote et je rabats. Je prends la maille de... Voilà. Je tricote et je rabats. Je tricote. Alors, je fais que des mailles à l'endroit pour rabattre, tout simplement. Et je rabats. Je tricote et je repasse un maille par-dessus. Je hop, tricote et je prends la maille, je la passe par-dessus. Je ne sais pas si je suis centrée. Je tricote, je prends la maille, je la passe par-dessus. Hop. Je tricote, je prends la maille, je la passe par-dessus. Je tricote une maille, je prends la maille, je la passe par-dessus. Je tricote, je prends la maille et je la passe par-dessus. Et je fais ça jusqu'à ne plus avoir de maille, tout simplement. Hop. Je tricote. Donc là c'est pareil, hein, je serre bien vu qu'on change, on attaque le côté pour éviter d'avoir des trous. Hein, vous voyez, en serrant bien, il n'y a pas de maille qui baille. Je tricote. Et je passe par-dessus. Je tricote. Et je prends la maille, je la passe par-dessus. Je tricote. Je prends la maille, je la passe par-dessus. Je tricote. Je prends la maille et je la passe par-dessus. Voilà. Super. J'arrive au dos du chausson. Et on refait pareil. Je tricote. Là, je serre un peu plus pour pas qu'il y ait de bâillement. La maille, je la passe par-dessus. Je tricote. Je prends la maille, je passe par-dessus. Donc là, ça sera que des points à l'endroit. Que des mailles à l'endroit. Moi, comme je tricote assez serré, j'aurais pu prendre une aiguille un petit peu plus petite, mais je l'ai pas fait. J'aurais pu, mais comme je tricote assez serré, ça sert assez. Hop. Qu'est-ce que j'ai fait? Hop. Et le dernier, donc les 5 dernières mailles.
et mon dernier côté. J'ai peut-être un peu trop serré ici, du coup. Et la dernière. Voilà. Je coupe mon fil. Alors, hop. Moi, je prends une aiguille. Voilà. Vous voyez, ça fait un petit décalage. Je viens piquer dans la maille qui est là. Hop. Oups. Je le retourne. Je repique dans la maille que je viens de faire le nœud. Et je vais cacher mon fil. Dans les points qu'il y a ici. Donc je fais des zigzags pour éviter de mettre le fil dans le même sens, ce qui permet de bien l'arrêter. Voilà. Et hop. Ni vu ni connu. Donc mon marqueur, je l'enlève. Voilà. Le chausson est fini. Il n'y a plus qu'à faire la petite broderie. Donc j'aurais pu la faire avant et je ne l'ai pas faite. Donc ce nœud-là, je vais le resserrer un peu. Du coup, je ne l'ai point serré correctement. Voilà. Pareil, hein, je vais le passe prendre l'aiguille et le cacher. Et celui-là aussi, je vais le cacher ici tout le long. Alors, il s'est enfilé dans une maille. Hop. Ah, hop. Voilà, on continue à cacher les fils et on se retrouve. Donc, pour celles qui ont du mal à passer la laine dans l'aiguille, ici, parce que moi je commence à avoir la vue qui baisse, hein, donc je ne vois plus forcément très bien. Donc je prends un fil de couture, tout simplement. Je passe ma laine dedans. Donc je... Hop.
Donc c'est un fil, hein. Ok. Donc je vais poser ici. Je pose mon fil sur en dessous. Ben, je pose mon fil. Je pose ma laine dessus. Je le plie en deux. Donc je coince ma laine entre les deux fils de couture. On est d'accord. Et du coup, je viens passer mon fil ici. Je tire. Vous voyez, il y a un peu de résistance. Je tire un peu. Et je passe ma laine. Et je m'embête pas à la rouler, à l'humidifier ou autre. C'est beaucoup plus simple, rapide. Et on esquinte moins nos petits yeux. Tout simplement. Donc nous voilà. On va faire la broderie. Donc mon point de départ de la semelle est là. On est d'accord? Hop, que je prenne bien le chausson dans le bon sens. C'est ça. Hop. On est là. Donc, vous voyez, il y a des petits V. D'accord? Si vous avez vu, donc ici j'ai un petit V là, je suis en train de compter en même temps parce que je sais plus à quel niveau que je commence. Donc j'ai ma semelle qui démarre là, ici, donc il me faut un 2 V. 2, 2, 2, donc il faut que je laisse un. Donc j'ai ici première maille, deuxième et troisième. Donc hop, ici. Donc j'ai 1 V, 2 V, 3 V. Donc moi je démarre au troisième V, donc ici. Donc il me faut 1, 2. Donc, je vais commencer ici. Hop. Hop. Hop, hop, hop. Hop, 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 hop. Que je me suis pas trompé. Mon chausson s'arrête là. Si je le plie, ça serait peut-être mieux. Hop. Voilà. Là, je suis sur la limite de mon chausson. Donc, j'ai dit 1, 2. Donc, ça sera ici qu'il va falloir que je commence. Et pas où je viens de dire. Voilà. On va faire un chouï plus haut. Je récupère mon fil derrière. Du coup. Voilà. Une fois que j'ai trouvé mon point où je vais démarrer, je laisse un peu de fil pour le cacher après. Hop, je fais donc j'ai un V ici, là. Et juste au-dessus du trou, j'ai mis mon fil qui est là. Donc je vais prendre le V qui est au-dessus. Je passe mon aiguille. Et je reviens piquer où mon fil démarrait. Ça me fait un EV. Ok. Donc je repique ici. Je vais à côté, lever à côté, sur la même ligne. J'ai fini là, je reprends ici. Je viens passer en haut, je fais un deuxième V en gris. Ok. Faut que je saute un V.
Donc je suis ici, je saute ici. Donc je saute celui-là et je vais à celui-là. Toujours sur la même ligne. Je saute un V et je viens broder mon point à côté. Et je vais à côté. Je fais la même chose. Toujours sur la même ligne. Une fois que j'ai fait ça, donc il faut que j'aille au-dessus, à côté. Et je fais un V au-dessus. Non, là je suis au même endroit, même ligne, au-dessus. Je vais faire mon vide gris est là. Moi, je vais faire le gris ici, un cran au-dessus. Hop. Je vais à côté. Et je fais la même chose. En dedans. Côté. Donc je suis là, hop. À côté, là où on n'a pas fait, on va en faire un maintenant. On vient ici au cœur. J'en fais un à côté où il n'y avait pas quand j'ai démarré. Peut-être pas trop serré. Voilà. Et je pique juste au-dessus. Je suis pas piqué au bon endroit. J'ai dit juste au-dessus, pas le point au-dessus, au-dessus. Alors, mon V est là. En fait, faut que je pique juste ici entre les deux. J'étais un petit chouï trop haut. Hop. Hop. Et ma laine grise est tellement grise, en fait, on voit pas beaucoup avec la blanche. Quand c'est des couleurs bien tranchées, on s'en rend compte beaucoup plus. Et là, on fait la même ligne qu'on vient de faire. Hop. Donc, je pique où j'ai démarré, s'il veut bien. Je viens ici. Hop. Sans trop tirer dessus, si possible. Voilà. Et on continue à broder. Hop.
J'avais déjà fait, je crois, une vidéo avec la broderie. Il me semble, si mes souvenirs sont bons. Et alors, je ne sais pas si je vous la fais en entier, la broderie ici. Parce que je ne sais plus ce que j'avais fait. Cela date un petit peu. Je vous remettrai le, montrerai le petit diagramme que j'ai. Du coup, comme ça, elle roulotte un peu moins ma laine, du coup. Voilà. Donc le troisième rang est fait. Donc là, hop, j'ai deux V ici. On repart un cran à l'intérieur. Hop, ça veut bien. Donc ça fait, je ne fais pas ici, je fais ici. Donc là, j'en ai 4, 2, 3, 4, 5. Je suis ici. Peut-être pas brûler les étapes. Continue comme ça. Elle roule lentement la laine. Et 5. Et là, j'en fais la ligne au-dessus. Je me décale. Hop, elle est partie où mon aiguille. Hop. Ligne au-dessus. Donc, je viens de finir ici. Je me décale à côté. Et j'en fais plus que 3. Une, une, hop, deux. Trois.
Voilà, on emprunte du milieu. Hop. La tâche ici au milieu est faite. Donc là, on va attaquer le petit carré qui est là. Donc, j'ai fini, je suis ici. D'accord. Donc, j'ai un V ici tout seul et je vais sur la même ligne le V à côté. Hop. Et de 1, je fais un autre point à côté. Hop. Et je repique juste au-dessus. Et hop, hop. Voilà. Ici. C'est des petits carrés de 4 mailles, 4 points en fait. Donc il me faut un V en dessous. Hop. Et mon dernier, hop, je suis là. Voilà. Zoup. Je retourne. Et là, je viens faire un petit nœud. Et
je cache mon fil. Tout simplement. Et l'autre fil, pareil, je vais le cacher. Et on a fini le petit chausson. Voilà, voilà. Des petites traces. Donc, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et que vous avez apprécié. Ça fait un moment que je devais la faire, mais... j'ai eu un petit moment où je n'ai plus le temps de tricoter dû à mon changement de situation. Donc maintenant, je vais essayer de revenir un petit peu. Bon, c'est sûr, il y aura beaucoup moins de vidéos qu'avant, mais comme j'ai des naissances qui arrivent, je vais tricoter, me remettre à tricoter en tout cas. Et j'espère que... je vais réussir à vous faire quelques vidéos quand même. Donc voilà, voilà, je vous remercie. Je vous souhaite bonne journée ou bonne soirée. Et à bientôt.